Pour choisir les 11 titres de cet album, vous avez regardé quels étaient les titres les plus streamés en France. Tout à fait. Et il y a Alléluia. Mais oui, mais j'ai regardé en période de Noël, pas sur une année complète, oui, bien évidemment. Sûr. Et il y a Alléluia, il y a Happy Day, qui sont des chansons que les Français aiment écouter en période de Noël. Alors que ce ne sont pas des chansons de Noël à proprement pas parler. Pas nécessairement. Puis en fait, en les écoutant, en les travaillant en studio, je me suis aperçue que ça passait très bien en période de Noël. Donc je les ai mises. Ça m'a fait plaisir à moi aussi. Bonne idée. Et vous l'avez sorti il y a déjà un bon mois. Il y a un mois, ouais. Histoire qu'on écoute votre album en préparant Noël. Mais moi, en le faisant, parce que je l'ai fait au mois de juillet, je me suis imaginée... Ah oui, effectivement. Oui, forcément, on fait des albums au mois de juillet pour qu'ils soient imprimés et prêts et tout ça. Et du coup, vous avez... Je m'imaginais décorer le sapin avec mon fils, préparer les recettes de Noël, faire des biscuits et tout. Et j'avais envie que ce soit un album familial, que les gens puissent l'utiliser pour égayer leur journée. La chanson qu'on vient d'entendre, la Rocking Around the Christmas Tree, ça, c'est une des chansons de Maman, j'ai raté l'avion. Tout à fait. Au moment où elle est sur un... Il y a un mannequin sur un tourne-disque qui tourne dans une fenêtre comme ça. Et quand j'étais petite, je rêvais de refaire cette scène avec mon tourne-disque. Bon, évidemment, une petite fille de 8 ans sur un tourne-disque, ça ne tourne pas. Donc, ça n'a pas fonctionné. Alors, je ne fais que chanter la chanson. C'est très bien. Cher Edouane, voilà, c'est pour vous le Christmas album de Natacha Saint-Pierre. Mohamed. Edouane, pour le plus grand plaisir de Edouane et de Patrick, Natacha, vous reprenez aussi la chanson qu'on entend en boucle depuis un mois et demi. Ah si. Mais c'est mieux, c'est Natacha. C'est beaucoup mieux fait. C'est gentil. Voilà, c'est par vous. Ça fait presque 30 ans que ça dure. All I Want for Christmas de Mariah Carey qui est enfin avec vous, Natacha. Oh, c'est bien. Pour vous, c'était impensable de la reprendre de manière basique, cette chanson. Alors, vous avez tout simplement rajouté un chœur de 64 personnes qui vous accompagnaient. Ouais, on a rajouté des choristes parce que je ne suis pas Mariah Carey. Et dans l'inconscient collectif, cette chanson, elle existe d'une certaine façon. Si je m'en éloigne trop, je déçois le public. Si je fais la même chose, forcément, au combat de qui est la plus grande vocaliste, Mariah Carey va gagner. Donc, je ne peux pas aller là. Il faut que je trouve une autre façon de le présenter et de la faire un peu plus gospel, avec des instruments de musique un peu plus organiques. C'était ma façon à moi de la présenter. Mais si vous dites qu'on a souvent critiqué cette chanson parce qu'elle est très commerciale et qu'on la retrouve souvent, mais c'est quand même la reine des vocalises. Elle a une voix particulière. On s'en peut mais pas nier. Elle a une voix incroyable. Et ce que les gens ne savent pas tous, c'est que Mariah Carey, en plus d'avoir cette voix incroyable, c'est elle qui compose et qui écrit beaucoup de ses chansons. Donc, celle-là aussi ? Oui. Celle-là aussi. Elle parle au dauphin, Mariah Carey. Tellement elle va dans des aigus, les dauphins... Ils arrivent. Exactement. Ouais, ben elle chante... T'as tous les dauphins de la ville qui débarquent. C'est fou parce qu'on ne peut pas savoir que c'est sérieux ou pas, en fait. Les dauphins qui débarquent. Qu'est-ce qui se passe, Redouane ? Il a dévoré l'assiette. Hein. Je ne l'ai pas vu manger, je n'ai pas compris. Ça veut dire, je ne sais pas à quel moment il a mangé. Je ne sais pas comment il fait. J'ai cligné des yeux. Non, je ne l'ai pas mangé. Le foie gras, il se mange. Je ne l'ai pas mangé, je l'ai gobé. Comme ça, c'est bon. Non, c'est vrai que c'est alors... impressionnant. Nous, on s'habitue, mais... Donc après la question carrée. Natacha, depuis 7 ans, vous parcourez les églises qui sont devenues vos salles de concert. Vous faites 60 dates par an à peu près. Et on va voir ce que ça donne, un extrait de vos concerts. J'aurais aimé vous plaire et je désespère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges et moi dans l'amour. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne. On a reconnu le sublime, la sublime Jeanne de Laurent Voulzy. Qu'est-ce qui vous plaît dans les églises ? La proximité avec le public ? Vous l'avez sûrement vu, mais l'attention du public. Ils sont très attentifs au texte. Et comme je ne suis pas sur une scène très haute, comme il n'y a pas un gros décor faux derrière moi, tout est vrai en fait.
Et j'ai l'impression de construire une vraie relation avec les gens. Quand on chante devant 2, 3, 4 000 personnes, c'est une foule. Tu me diras si c'est la même chose pour toi. Je chante pas, mais... Mais quand on joue, c'est une foule. Mais quand on est devant un petit public, ce sont des gens. Et ça a quelque chose de très intimidant et en même temps de très valorisant. Redouane, vous aimez une chanson en particulier de Natacha? C'est quoi? Tu trouveras mes faux pas, mes maladresses, de l'amour plus qu'il en faut. Tu trouveras. J'adore, monsieur. On avait envie que ça continue. Là. Mais je chante très mal. C'était très bien, faux. C'était un bon c'est début. Mais faux pas, mais maladresses. C'est Pascal Obispo, à l'inverse, lui, des chauves, et moi, j'ai récupéré tous les cheveux. Pascal qui est en Turquie, qui essaie de retrouver des cheveux. Ouais, il est là-bas. Ça se passe? Ça se passe pas. Il est... il y a un peu rien. C'est pas un crâne qu'il a, c'est un genou. Je viens d'avoir la vision d'un genou. On t'embrasse, Pascal. On t'embrasse. Il y a une longue liste de gens qu'on a embrassés ce soir avec vous, Redouane.